Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play sur un tout nouveau jeu, à savoir Dave the Diver. Après quelques gros let's play à Marvel Midnight Sun, Pillar of Eternity ou League of Legends Ranking, des let's play qui nous ont pris moult épisodes, beaucoup d'énergie, j'avais envie de revenir à quelque chose d'un petit peu plus chill, dans un style un petit peu différent, d'où ce Dave the Diver. Alors, c'est développé par Mint Rocket, c'est sorti en accès anticipé le 27 octobre 2022, j'avais hâte de pouvoir le tester, mais on a eu un emploi du temps bien chargé jusque là. C'est un mélange de RPG, de gestion, d'exploration, on a des phases un petit peu comme dans Moonlighter. Pendant la journée, on va explorer des fonds marins et pendant la nuit, on va gérer un restaurant de sushi. Voilà, pour les grandes lignes du jeu, le jeu est extrêmement suivi. Il y a de nombreux patchs, le jeu évolue bien jusqu'à sa sortie d'accès anticipé en version 1.0, on ne sait pas encore quand est-ce que ce sera, ou du moins je ne l'ai pas vu. En tout cas, on va se lancer dans une nouvelle aventure, et d'ailleurs on va découvrir le jeu ensemble. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne, ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Il y a au moins une vidéo par jour, et je vous rappelle également que les Super Thanks et les abonnements sont disponibles depuis peu sur la chaîne. Allez, on va démarrer une nouvelle partie. Oui, j'avais lancé juste pour voir ce que ça donnait. Allez, paf, nouvelle partie. Alors, le jeu n'est pour l'instant pas disponible en français. J'ai pas l'impression qu'il le sera à un moment donné ou à un autre, mais c'est pas grave, je vais vous faire la traduction. Et un peu comme pour dans Moonlighter, on n'a pas forcément besoin non plus d'être master bilingue pour comprendre. Oh, Dev, tu es venu ici rapidement. Eh bien, tu m'as dit de venir rapidement, alors. Et puis, tu sais, j'étais en vacances. Alors, où est-ce qu'ils sont les sushis? Ah, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Regarde un peu autour de toi. Oh, ce grand trou bleu. Je crois que j'ai jamais vu quelque chose de pareil avant. C'est pas seulement sa taille. À chaque fois que tu entres dans ce
un trou bleu géant, le terrain et l'écologie changent. La faune et la flore changent, ce qui signifie que c'est une incroyable opportunité de business. Quel genre de business? Eh bien, on pourra discuter de ça plus tard. J'ai appris que tu faisais une pause en termes de plongée. Et si tu te préparais pour un petit échauffement? Je te guiderai par ici. Allez, c'est parti. Ah, tu sais, je le sens pas trop. Prologue. Un bar à sushi par le grand trou bleu. Et hop, on plonge. Comme d'habitude, hein, dites-moi, faites-moi vos retours par rapport au son. Alors, Big Eye. On a des petits tips pendant les chargements là sur les différentes sur la faune et la flore. Ah, jolie forme. Bon, et si tu te t'échauffais un petit peu? Allez, essaye de te déplacer jusqu'à l'endroit marqué. Tu peux utiliser le T pour te déplacer rapidement. Mais souviens-toi que la rapidité accélère ta consommation d'oxygène. Ah oui, effectivement, O2, on voit en bas à gauche, hein, on est à 87. Ok, on dirait bien que tes capacités sont intactes. Allez, si on s'entraînait un petit peu à utiliser ton arme, la dague. On va utiliser la dague sur un petit poisson. Bien joué. Rapide et en douceur. Finalement, tu n'as rien perdu. Tu n'as pas non plus perdu ton savoir concernant l'utilisation du harpon. Non ? Le harpon, eh bien, je ne l'ai pas utilisé depuis depuis un long moment. Tu vises d'abord et puis... Ok, on dirait que tu as besoin d'un petit peu d'entraînement. Ouais, tout comme mon anglais qui a besoin d'un peu d'entraînement. Allez, essaye d'utiliser le harpon pour attraper, disons, 3 poissons. Tu utilises A pour viser et tu tires avec RT. Oh, nice. Pyramide Butterfish Fish, pardon. On va essayer de se prendre 3 poissons différents. Ah, ça c'est raté. Yes. Un Blue Tank. Allez, je pense que tu peux revenir sur tes pas en un instant. Allez, reviens sur le bateau. Let's go. Retournons sur le bateau. Ok, maintenant qu'on sait maîtriser un petit peu ça, let's go to the business. Dave, tu aimes les sushis, n'est-ce pas? Ah, tu m'étonnes que j'aime les sushis. Les sushis, ah, cette douce viande de poisson avec ce petit riz huilé. Oh, mec, c'est juste ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, écoute-moi, j'ai un ami qui est un chef sushi. Et il a quitté le business depuis un petit moment. Il a une langue bien aiguisée et puis
on va dire qu'il part au quart de tour. Mais il est tellement skillé, le gars. Je peux te garantir que personne ne rivalise avec lui dans tout le monde. Et il est juste là. Il a commencé un resto. Et ils vendent tellement bons sushis. Les sushis sont vendus ici et ils sont fabriqués avec du poisson frais pêché dans le trou bleu. Et dans ce trou bleu, on y trouve tous les poissons du monde. Imagine-toi tous ces gens qui vont devenir fous juste pour ça. Oh, j'ai vraiment envie de voir ça. Ah, tu m'étonnes. Allez, pourquoi tu te joindrais pas dans cette... tu te joindrais pas à nous dans cette... immense aventure? Hein? T'en dis quoi, mon pote? Eh bien, je dirais que... J'aime manger, mais j'y connais rien en cuisine, mais absolument rien. Ah, t'inquiète pas. Le resto est déjà tout prêt. Tout ce que tu as à faire, c'est de plonger pour récupérer les ingrédients. Ça sonne pas trop mal, n'est-ce pas? Eh bien, on va accepter, bien évidemment. Et je pourrais manger autant de sushis que je veux? Bien sûr, mais tu devras payer, cependant. Allez, je peux pas attendre pour vérifier tout ça. Le restaurant à sushi près du trou bleu. Ah, il est supposé ouvrir ce soir. Mais je suis pas s'ils sont... Je ne sais plus, je ne suis pas sûr qu'ils soient totalement prêts. Allez, on va aller au resto. Sushi. Hey Bancho, est-ce qu'on est prêt à ouvrir? Ouais, comme tu peux le voir, on est prêt juste à temps. Oh, c'est déjà fini? Toi? Alors c'est toi... Le pêcheur dont Cobra m'a parlé. Eh bien, je suis plus un plongeur qu'un pêcheur. Ok, de toute façon, je m'en fiche. Ravi de te rencontrer, je suis Bancho. Alors, t'aimes les sushis? Oh, bien sûr que je les aime. Ah, Tunabelli, c'est Hutchin, tout quoi. Ah, mon gars, juste à penser à... Ah, ces sushis, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Juste médiocre, comme je l'espérais. Tu sais, les sushis sont une nourriture qui combine à la fois l'âme de la terre et de la mer. Et cela symbolise la mère nature elle-même. La plupart des gens n'ont juste goûté que les poissons les plus accessibles. En fait, comme toi. Toi, tu fais partie de la majorité des gens. Quelle vie totalement vide. Si tu n'as jamais pu goûter ne serait-ce que un petit peu de ce que la beauté de la mère nature peut nous offrir, hein? Ma vocation est d'amener le goût de la mère nature à tout le monde. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas bon. On est plus très près là. Hein. Quoi, un tremblement de terre? Bon bah, c'est le bazar, hein. Ouais. Il semblerait qu'on va devoir retarder l'ouverture. Tu sais quoi? J'ai dépensé tout mon argent pour préparer ce restaurant. Je dois pouvoir récupérer de quoi
faire les réparations. Donc on est obligé d'ouvrir. Dans cet état. Bah, à la fin, l'importance, ce qui compte dans un resto, c'est le goût. Ouais, mais enfin bon, on a quand même besoin d'ingrédients en premier. Hein. Est-ce que tu peux me rapporter quoi que ce soit? Eh bien, il y a ce que je viens de pêcher. Seulement 3 poissons. Eh ben, je vais pas aller là. Je vais pas aller bien loin pour servir les invités avec ça. Hein. Allez, retourne-y et s'il te plaît, attrape-moi au moins 7 poissons de plus pour commencer. Oh, et le restaurant n'ouvre que la nuit. Et ça va pas faire baisser les ventes? Et tu crois qu'on peut inviter des clients comme ça sans la préparation adéquate? Un jeu juste pour faire un petit peu plus d'argent, franchement. C'est le devoir d'un chef de préparer la meilleure nourriture possible avec méticulosité et précision. Comme un guerrier aiguiserait son épée avec une meule. Tu vas devoir me rapporter les meilleurs ingrédients possibles pendant la journée. Ok, pas de soucis. Donc voilà, ça nous... grosso modo, ça nous donne bien le déroulé. La journée, on plonge et la nuit, on gère le restaurant. On dirait que Boncho est vraiment passionné par son travail. Ce gars-là, il parle jamais de ses affaires privées, jamais de choses personnelles, mais il pourrait te parler des sushis toute la nuit. J'ai jamais vu d'ailleurs Boncho aussi enthousiaste depuis l'incident. Et franchement, c'est cool de le revoir comme ça. L'incident. Peut-être que on devrait pas aborder le sujet maintenant. Bref. De toute façon, on a besoin d'ingrédients. Allez, va me pêcher cette poisson. Alors, on est à moins 100 balles. On doit réparer donc le resto de sushi. Pour ça, il nous faut 100 gold. Et on doit préparer des ingrédients pour sushi. Donc, à pêcher 7 poissons. Allons-y. On a vu qu'on pouvait plonger comme ça. Alors, si on meurt dans l'eau, on ne pourra qu'à être capable de récupérer qu'un seul item. Ah oui. Paf, ça je sais pas ce que c'était. Oh, c'est quoi ça par contre? Lucy Shell. Paf, raté. Pyramide, on a 79 encore d'oxygène. Donc on est bon. Poisson. Ah, c'est raté. C'est pas si facile qu'il paraît. Hein. Qu'il n'y paraît, pardon. Sérieux? Il me reste 70. Yes. C'est good. J'ai envie qu'on se déplace un petit peu, voir s'il n'y a pas d'autre chose. Ah, ok, on a nos 7. Il nous reste un peu d'oxygène.
J'ai envie qu'on se balade, voir s'il n'y a pas d'autres choses à récupérer, s'il n'y a pas des petites choses qui brillent. Ouais, genre ça. Une batte de baseball, d'accord. Là, on dirait une réserve d'oxygène. Oh, c'est quoi ça? Non, ça c'est rien. Ok, ça nous remonte à 90. Faut pas oublier qu'il nous a dit que tout changeait. Que tout changeait à chaque plongeon. Donc on peut, je pense, sans crainte, explorer tout ce qu'il y a. Ah. Ils sont peut-être un peu trop gros pour nous, ceux-là? Possible. Par contre, on va quand même venir explorer ça. Mayonnaise. Ça, par contre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On va éviter de se faire gauler. Voilà, pour pas mourir. On pourrait remonter à la surface. Mais j'ai envie de continuer d'explorer un petit peu. Voilà, il y a des choses, il y a des coffres. Ça, c'était quoi? Underwater scooter. Ok. Et on voit qu'il y a des très 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 gros poissons. Aïe, d'accord. Ok, 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 j'ai compris. Capsule d'oxygène. On va retourner à la maison là. On va prendre ça au passage. Allez. On se fasse un petit peu au contrôle. Non, j'ai vu encore un petit truc ici. Ok. Du cuivre. Et si on remonte juste à la surface, est-ce que ça nous mène directement au bateau? Ouais, c'est ça. Ok. Honnêtement, on a envie de passer son temps à explorer en dessous. Ok, on dirait que t'en as attrapé quelques-uns. On va se faire des montagnes de thunes, on n'a rien de temps. Mais bon, bon, il faut penser au temps. On doit se dépêcher pour rendre les choses prêtes. Allez, pourquoi on n'irait pas directement au sushi bar? Mission accomplie. Ok, donc il y a tout un système de stats avec des records à établir, donc ça c'est cool. Le plus gros qu'on ait attrapé, c'est un Yellow Tang qui fait 20 cm. Là, on a récupéré également un matériel de pour faire la cuisine de la mayo. On a chopé un camber, un pyramide butterfly fish, un sea golding et un yellow tang, des rangs 1 et un rang 2. Ok. Ok, tu ne peux plonger qu'une fois le matin et l'après-midi. Alors, comment vont ces préparations?
Je pense qu'on est presque prêt. Ah, c'est good. On va avoir une super nuit. Et où est-ce que tu penses que tu vas comme ça là? T'as pas entendu ce que Cobra t'a dit? Tu dois m'aider à faire tourner le bar à sushi. Quoi, mais je comprends pas. Et ben Cobra m'a dit qu'il m'enverrait quelqu'un pour m'aider avec les ingrédients et pour le service. Et il a dit que tout ce que j'aurais à faire, c'est de cuisiner. Et y a personne d'autre à part toi, hein, ce que je vois. Hein. Mais j'ai jamais bossé dans un restaurant avant. Bah, les invités arriveront bientôt, alors bon. Je vais te donner quelques indications, alors sois très très attentif. Quoi ? Allez, ouvre les ingrédients. Ici, tu peux voir nos poissons, les sauces, les ingrédients et tous les autres matériaux que tu as. Pour l'instant, tout ce que tu as à savoir, c'est tout ce que tu as à savoir. Tu reviendras plus tard pour plus d'informations. Bon, maintenant, je vais te montrer comment enregistrer tout ce qu'on a dans le menu. Les nouvelles recettes seront ajoutées au menu avant d'être vendues aux différents clients. Oui, ce qui est assez logique. Allez, il y a déjà une recette pour le poisson que tu as acquis plus tôt. Allez, essaye de l'enregistrer dans le menu. Tu vois, c'était pas si dur. Mettre les ingrédients en auto-supply rendra les choses encore plus faciles. Allez. On peut également augmenter la fragrance, le goût de nos petits plats. Alors essaie quand tu auras assez d'ingrédients pour le faire. Bon, pour l'instant, utilise les ingrédients que tu as attrapés pour remplir le menu, autant que tu peux. Bronze ou plus, ok. Ouais, on peut encore améliorer les choses plus tard. Donc là, on est bon. Et combien de temps vous allez rester là à papoter, là, franchement? Donne-moi une tasse de thé vert pour étancher ma soif. Pour l'instant, on n'a que des boissons, que des softs, on n'a pas d'alcool. Yes, petit mini-jeu pour remplir les tasses. Allez, à partir du moment où les clients on a notre taux de remplissage qui est à good ou mieux, ils vont payer plus. Ok. Ah, comme je l'espérais, le thé vert de Bancho est quelque chose. Mais il m'a vraiment ouvert. Il m'a ouvert mon appétit. Est-ce que j'ai quelque chose à manger? Tu peux toujours demander. Allez. Ok, on voit la barre qui se remplit. Il vient de terminer. You can dash pour servir vite. Sérieux? Et il s'est barré comme ça. Cobra n'a même pas mangé. Oh, il est toujours distrait par des choses comme ça. La nourriture ne peut pas être réutilisée. Ok, ben, on va devoir l'acheter. Hein.
Oh, quel gâchis. Ok, donc si c'est pas utilisé, on jette. Y after filling the menu. Dishes from the menu, ok. On doit enregistrer les plats du menu avant d'ouvrir le bar, ok. Allez, c'est parti. Grande ouverture. Bad. Ok, pas cool. Ça commence bien. Yes, là on est good. Vite, 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 on va se dépêcher ici. Hop. Tu veux à boire, toi? Non. Toi, oui. Good, nice. Ok, ça paye un de plus. Toi, t'es arrivé en premier. Yes. Ok, on est plutôt pas mal. Alors voyons voir nos stats. 4,6 sur 5. On a gagné 4 flammes d'artisan. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et nos meilleures ventes, c'est le pyramide Butterfly Fish Sushi. Ok. On a gagné 34. On est loin des 100. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Eh bien, le travail était finalement terminé pour aujourd'hui. Oh, j'ai mal au dos et aux jambes. Ouais, effectivement. T'as l'air un petit peu maladroit, mais bon, c'était pas mal pour un premier jour. Essaye un petit peu plus durement la prochaine fois. Je suppose que venant de toi, c'est un compliment. Un homme ne devrait pas ressentir des félicitations pour un simple compliment. Ouais, si tu veux. Dans tous les cas, je porte un toast à l'ouverture de Banjo Sushi. On va devenir les meilleurs potes. Ça par contre. Deuxième jour. Alors, tu dois être le gars qui plonge dans les environs. Ouais, je pense que c'est moi. Bah, je m'attendais à quelqu'un de plus jeune. Tu sais, je peux t'entendre. Hein. Bah, je m'en fiche. Bon, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et si tu me disais d'abord qui tu es?
Je suis Ellie. J'étudie la biologie dans l'école locale. Je suis venu investiguer après certains rapports d'anomalies dans la zone. Satisfait? Ok. Et tu veux que je fasse quoi? Eh bien, j'aimerais que tu étudies la faune et la flore du trou bleu. Ramène-moi des étoiles de mer et du corail pour commencer. Je pense que un de chaque, ça serait bien, mais deux de chaque, ce serait mieux. Oh, le temps que tu utilises, ça me donne envie de te refuser. Ok, et si je te dis que j'ai une récompense pour toi? Mais si tu la veux pas, ça me va aussi. Hein. Une récompense? Ok, ok, je refuse pas. C'est juste que je me dis que tu pourrais demander un petit peu plus gentiment. Ouais, dans tous les cas, dépêche-toi. Allez, traîne pas. Ok. Alors, on a un téléphone cellulaire. On peut utiliser notre téléphone pour accéder à des contenus variés. On peut checker nos missions et bien plus encore. Ok. Alors, le phone. Alors, on doit toujours faire 100 balles. On est à moins 66. Et on a la petite mission secondaire. Tout doux. Ok. Ça, c'est pas mal. Calendrier, le temps, l'album. Minigame. Oh, il y a beaucoup de choses. Ok. Bah, on va plonger. On va essayer de se faire une grosse session de plongée d'ailleurs. Allez, direct. On a ça, du bois. On va faire ça. On va récupérer des petits poissons aussi. Ah mince. Alors sérieusement. Ok, voilà. Ça veut pas. Ah, ça par contre ça rentre dans nos objectifs. Yes, ça. Nouveau type de poisson. On a lutté un petit peu, hein. Là, on va descendre parce que j'ai vu le coffre. Ben, vas-y. Alors, c'est quoi ça? Un balai électrique. Un balai électrique. Ah! C'est pas un balai électrique, suis-je bête? Escape pod. Utiliser l'escape pod pour vous échapper directement dans notre bateau. Ok. Plus rapidement possible. C'est vrai qu'on a atteint nos objectifs, cependant. Alors, sérieusement? Oula, 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 oula. Est-ce que toi tu veux manger? Ils veulent tous me manger. Mais moi je veux pas être mangé.
va essayer de remonter. Ouf. Non, 30 d'oxygène, on est un peu juste là. On va quand même essayer d'avancer, de voir si on top de l'oxygène. On sait jamais. On est à 20. Je sais pas si on peut pousser jusqu'à 15. Voilà, au passage quand même. Il n'y a pas de truc d'oxygène. Ouais, si, il y en a un là. Ok. Ok, ça on récupère. Décidément. Yes. Ça c'est un nouveau poisson. Yes. Allez, on découvre plein de choses. Ok, on a atteint notre poids limite. Donc on est trop lourd. Quelques poissons pour faire des sushis. Ok, là on est pas mal. Raté. Parfait. Du coup là je pense qu'on peut rentrer. Oui, on est à 13 kg sur 9 kg. Non, on voit qu'il y a beaucoup de choses différentes, hein, déjà. Alors, est-ce que tu m'as rapporté tout ce que je t'ai demandé? J'espère que je t'en ai pas trop demandé. Ok, ça devrait aller pour cette fois. Je vais te donner une récompense comme promis. Vu que tu m'as aidé dans mes recherches. Les soudains changements écologiques de la région vont nécessiter d'être étudiés plus en profondeur. Donc, je pense que je vais devoir continuer à nécessiter tes services. Allez, ajoute mon numéro. On a gagné 70 balles, de l'huile d'olive et de la sauce soja. Mission accomplie. Ok, vous avez récupéré 100 balles. Bien joué. Ça devrait être suffisant pour réparer ce qui a été cassé. Mais donne-moi un peu de temps. Hein. Les réparations doivent être faites de la bonne manière. D'accord. J'espère vraiment que les clients vont continuer à venir. Ok, donc on est resté 5 minutes 47 sous l'eau, c'est un nouveau record. On est descendu à 43 mètres, c'est un nouveau record. On a obtenu 19 objets, c'est un nouveau record.
16 poissons, c'est un nouveau record. Cooking matériel. Oh, du rang 4. Je sais pas combien il y a de rangs. Mais en tout cas, c'est bien. Dave, tu t'es pas trop perdu hier? Eh bien, j'ai vu pas mal de sales poissons. Ça va pas être facile d'aller plus profondément. Ouais, j'ai remarqué que ce poisson dans le trou bleu avait tendance à frapper violemment. Pourquoi tu prendrais pas en plus un pistolet en plus de ton harpon? Quoi, un pistolet? Oui, j'ai un ami qui s'y connaît bien tout ce qui concerne les armes et les pistolets en particulier. Je pourrais vous faire vous rencontrer. Salut Cobra, ça fait un moment. Allez, c'est qui là, le mec un peu ridicule qui est à côté de toi? Tu sais, c'est pas la chose la plus gentille à dire à un étranger, hein. Mais je suis Dave. Je suis un plongeur professionnel. Intéressant. Ouais, je pensais que les plongeurs étaient athlétiques et musculeux. Tu viens de remettre en question tout ce que je pensais. Ouais, les gens qui vivent dans des tours d'ivoire. Bon, c'est pourquoi sinon? J'aimerais que vous alliez directement au but. J'ai commencé un business très intéressant. Et j'aurais besoin de quelques armes. Donc, Duff, j'ai besoin de ton aide. Ok. Le truc, c'est que la saison 2 de Strastella vient juste de se terminer. Bon, allez. Du coup, je peux t'écouter. Parfait. Alors, j'ai découvert un trou bleu géant très fascinant. Le terrain et toute la faune et la flore à l'intérieur changent à chaque fois que tu y plonges. Malheureusement, tous les équipements qu'on trouve dedans, eh bien, ils se cassent lorsqu'on les ramène. Donc, j'aimerais que tu nous fabriques une arme qui puisse être utilisée dedans. Oh, ça a l'air intéressant, t'as piqué ma curiosité. Et en tant que développeur d'armes, hein, j'entends. Mon hypothèse, c'est que quelque chose qui n'est pas fabriqué avec les matériaux qui se trouvent dans ce trou devrait continuer à se casser. Et c'est spécialement vrai pour les pistolets qui ont des parties nécessitant de la précision. Donc on doit récupérer les matériaux nous-mêmes, de la mer. Exactement. Tu dois prouver à Dave, tu dois me prouver à Duff, moi, maître Duff, que tu es un plongeur expérimenté. Bah, je sais pas pourquoi je devrais faire mes preuves vis-à-vis de toi, hein. Dis-moi simplement de quoi tu as besoin. Eh bien, j'ai besoin d'une corde et d'un morceau de fer. Ok. Allez, quête suivante. Donc ouais, on peut plonger deux fois par jour. Un matin, après-midi et la nuit, c'est pour le resto. On va en profiter quand même pour toper un peu de, comment dirais-je, un peu de poisson encore. La
je peux faire quelque chose. Non, c'était vraiment la mission de tout à l'heure. Oh, là, il y a plein de choses, par contre. Fragment. Ok, on a trouvé la corde. Ah. Un oursin. Ça, c'est pas cool. Ça, on prend. Une réserve d'O2. Ok, on récupère quelques poissons quand même au passage. Ouh, une réserve d'O2. On va pas la prendre tout de suite, évidemment. Sérieusement? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Scrap Iron. Paf! C'est un nouveau poisson, ça! Parfait! Non, ça c'est un oursin, on n'en veut pas. Et toi, on va te fuir. On va te fuir, on va aller prendre l'oxygène, on est à plus qu'à 40. Ok. Là, on tape quelque chose. Oh, sérieusement? Ça a ripé? On est vraiment mauvais hein, pour le moment. Mais c'est pas grave. On découvre le jeu. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quelque chose qu'on peut casser? Non. Ça on peut récupérer. Ça aussi. Ça aussi. Ok, on prend tout ça. Mayonnaise encore. On avait vu l'O2, mais bon. Oh, ça, ça a l'air bien. D'accord. Oula, un requin, ça c'est pas cool du tout. Oui, on va éviter de se faire toper par le requin. Alors on va y aller. On va remonter à la surface. Mignon.
Ok, et il nous a fabriqué un fusil sous-marin. Allez, déjà, télécharge Duff Weapon Shop, l'application directement sur ton téléphone, c'est seulement 42 mégas. Ah, ok, et là on peut le crafter, et on voit donc exactement ce que ça fait, combien on en a. Allez, c'est parti. Une nouvelle arme, équiper cette arme directement. Allez, oui. Ah ok, et là il nous dit qu'on va pouvoir ouvrir des coffres d'armement qui seront sous l'eau. Ok, et si on les ouvre, on récupère des éléments, et lui il créera des plans pour nous. Ok. Et maintenant on peut crafter des armes au magasin d'armes de Duff et acquérir un certain nombre de fois une arme complétera son plan et rendra l'arme craftable. Ok. Donc là on voit un petit peu ce qu'on a fait. Comme d'habitude, bon, on a battu aucun record à part le nombre d'objets récupérés. Et maintenant, il va falloir qu'on aille, qu'on retourne au restaurant de sushi pour aller faire notre nuit de taf. Allez, du coup, on va retourner au restaurant et on va tenter de faire mieux que la nuit précédente. Alors menu, ça on peut en faire 12. On va faire ça. Ça c'est du niveau 1, on met les 4 au max. Non. 6 c'est bien. Là on met le max. Et là on est plutôt pas mal. Allez, on ouvre. Notre premier client du jour. Tu veux du thé? Non. Toi, tu veux du thé. Ah, oh, perfect. Cool. Bad. Oh, mince. Raté. Ok, il y avait ça qui était nouveau. Hop, on va aller prendre ça. Paf. Perfect. Ah,
Ouais, on s'en sort plutôt pas mal. 44, c'est mieux. Je crois qu'on avait fait que 36 la première fois. Effectivement, on fait mieux. Oh, 50 balles! Et nous pensons à la date de lundi. Alors, est-ce que tu es Dave par hasard? Oui, et qu'est-ce que je peux pour vous, monsieur? Waouh, j'ai toujours raison à propos de ces choses-là. Ravi de te rencontrer, je suis le docteur Bacon. Je suis un archéologue, eh ben, décidément, qui étudie les civilisations sous-marines. Ah ouais, attends, je vais tout expliquer. Dis-moi, n'es-tu pas chanceux d'avoir un expert tel que moi pour t'expliquer tout concernant ce sujet? Peut-être que j'aurais pas dû demander. Ah ok, c'est les peuples marins. D'accord, c'est carrément les sirènes. Donc ils vivent dans les profondeurs, tout ça. Civilisation florissante jusqu'à ce que ça parte en vrille, quoi. Hein. Tout le monde pense que c'est un mythe. Et rien de plus, bien sûr, Mais des preuves. Une preuve a bien été trouvée ici. Ce qui rend les choses réelles, ce n'est plus un mythe. Ouais. Et oui, c'est une trouvaille impressionnante. Quelque chose qui pourrait retourner le monde académique sans dessus dessous, révolutionner le genre. Une ancienne civilisation sous la mer. On n'a jamais vu ça depuis... depuis un comics ou bien des jeux vidéo. Et qu'est-ce qui vous fait croire que c'était aussi réel que ça, aussi vrai? Mon assistant a finement analysé un artefact qu'on a trouvé très proche d'ici et qui ne correspond à aucune civilisation connue. Il est daté d'environ 1500 ans et il n'y avait aucune civilisation à cette époque dans le coin. C'est intéressant, mais c'est quoi la relation avec moi? Eh bien, vois-tu, mon assistant et notamment ses investissements en crypto-monnaie, font que il sera plus dans le coin pendant un bon moment. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi pour m'aider. Ah. Mon assistant m'a dit que l'artefact avait été trouvé à 70 mètres plus ou moins sous la surface. Est-ce que tu pourras aller jeter un œil? Ouais, tu sais, on est occupé avec notre bar à sushi. Je pense pas qu'on puisse... Désolé d'interrompre la conversation. Je suis Cobra et je travaille avec Dave. Bien sûr qu'on va vous aider. Et on va même le faire avec générosité. On est très heureux de vous aider. Mais j'ai pas le temps de nager pour trouver des artefacts. Pense à une civilisation sous-marine, des sirènes, tout ça. Si ça s'avère vrai, tant de gens vont venir par ici. On ne pourra même pas les compter. C'est bon pour le business. Ouais, je suppose que t'as raison. Ok, on va vous aider. Ok. Quel changer. Et bien sûr, je te demande pas de travailler pour rien. Je vais augmenter ta combinaison de plongée. Et pour rien du tout. Ok. Avec une combinaison de plongée avancée, tu devrais pouvoir aller beaucoup plus profondément. Et c'est essentiel pour l'exploration. Ces jours-ci, beaucoup de choses peuvent être gérées par une application... Et les avancements technologiques sont tellement impressionnants. Ne penses-tu pas?
Allez, on va d'abord installer iDiver sur ton téléphone avant de procéder. Ok, on va installer ça. iDiver. On peut passer niveau 2 Air Tank Diving Suite pour rien du tout. Où on peut plonger jusqu'à 80 mètres du coup. iDiver pour upgrader notre équipement. Chapter 1. Les traces de la civilisation sous-marine. Alors on va regarder vite fait. Air Tank, on peut monter à 115 bars, il nous faut 65 balles. Là on peut descendre à 150 mètres. Le cargo box pour pouvoir porter de passer de 9 à 13 kg. Le harpoon gun, on passe de 3 à 10 de dommages. Ok. Et le weapon shop. On va en crafter un de plus. Tellement stylé la petite animation. New weapon. Ok. Et bien normalement, on devrait normalement... la répétition, j'adore ça. On devrait en théorie se remettre à l'eau, plonger, chercher des artefacts, des poissons pour notre bar à sushi. Mais on va s'arrêter là pour ce premier épisode. On aura vu un petit peu les grands principes du jeu et les mécaniques qui vont avec, sachant que eh bien via le téléphone on sent plein de nouvelles mécaniques qui peuvent venir se rajouter. Bref, je suis très emballé pour vous présenter la suite de ce Dave Diver qui m'a l'air très très sympa. J'aime beaucoup le style graphique, c'est très chill, très vacances, et j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Cet épisode est maintenant arrivé à son terme. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode et ce let's play vous plaisent. N'hésitez pas à me le faire savoir au travers du clap, surtout pour ce premier épisode. N'oubliez pas de commenter, liker, vous abonner et partager surtout. N'oubliez pas de partager car vous le savez, le partage c'est la vie. Allez, ciao, bye bye.